c'est une défaite plutôt logique face à une équipe qui va jouer la montée. Voilà, on a fait notre jeu. En première mi-temps, on est vraiment dans les clous parce que on tourne seulement à 13-10 et puis on est présent dans les intentions, on les met à mal et on fait des choses très intéressantes. Malheureusement, ce qui nous a plombé, c'est le début de la deuxième mi-temps. Où on prend cet essai très rapidement et là, on a senti qu'ils prenaient un peu le dessus physiquement. Il aurait fallu faire un début de mi-temps, de deuxième mi-temps parfait pour pouvoir les inquiéter. On n'a jamais rien, quel que soit le match. On l'a montré encore ce soir dans une magnifique enceinte avec un beau public bayonnais. En fin de match, on peut peut-être mettre un autre essai, mais bon, là c'était quand même anecdotique, il y avait 18 points d'avance pour Bayonne. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a fait jeu égal pendant presque 45 minutes, voire 50 minutes. Ça c'est très positif, il faut le garder pour la semaine prochaine contre Montauban, qui est un match très important pour nous.